Pour La République en marche, la parole est à Danielle Brûlebois. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le 13 décembre dernier, Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports, a donné les priorités de la future loi d'orientation des mobilités en clôture des assises consacrées à ce sujet. L'objectif de ce texte est de fixer des urgences en concentrant les efforts sur les mobilités du quotidien afin de désenclaver ceux qui pâtissent de leur éloignement et ceux qui souffrent de la vétusté des réseaux dans les territoires ruraux comme dans les grands centres urbains. Donc de privilégier les investissements non plus pour créer de nouvelles grandes infrastructures et pour la grande vitesse, mais pour remettre en bon état aussi bien le réseau ferré que le réseau routier. Pour atteindre cet objectif, Madame la Ministre souhaite notamment, dans les zones rurales, remettre à niveau le réseau routier national, développer, ouvrir le transport entre particuliers et innover. Et à ce propos, je salue la réussite des cars Macron, dont le premier a été créé dans le Jura, département rural où je suis élue, qui ont donné la possibilité à des gens qui ne voyageaient plus d'une grande mobilité accessible financièrement et localement. Elle souhaite aussi innover dans le remplacement des trains par des véhicules sur rail et surtout couvrir 100% des territoires par une autorité organisatrice de mobilité afin que personne ne soit laissé pour compte. Les bilans successifs dressés par l'ARAFER montrent que la France dispose d'un vaste réseau de voies ferrées, mais que ce réseau est à bout de souffle. L'âge moyen des voies est de 31 ans. L'utilisation est très inégale. 5300 km sont ralentis pour insécurité. Et chaque année, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le réseau ferré cède du terrain face à la route, et en particulier pour le transport de marchandises, ce qui fait que nos routes départementales sont de plus encombrées par les camions. Monsieur le Président, pensez-vous que les pistes précitées par le futur projet de loi permettront d'assurer la mobilité pour tous dans tous les territoires et aussi, comme vous l'avez dit, de solutionner le problème de la dette qui est important et d'améliorer la santé financière de la SNCF? Merci, chers collègues. Pour les Républicains,